In my restless dreams, I see that game. Silent Hill. You promised me to tell me everything about this game someday. But you never did. Well, you have the making of now. In your special DVD, just waiting for you. Bienvenue à Tokyo, c'est ici, quelque part au 42e étage de ces buildings, que Silent Hill 2 a vu le jour. Graphistes, programmeurs, musiciens, au total plus de 50 personnes ont bossé pendant près de 2 ans sur ce passionnant projet. Mais Silent Hill 2 ne serait pas né sans eux, Imamura, le producteur, Sato, designer des personnages et des cinématiques, et Akira, responsable des sons et musiques. Ces trois créateurs de génie, liés comme mari et femme, c'est eux qu'ils disent, ont tous les trois travaillé sur le premier Silent Hill. Et pour le second chapitre, ils sont allés beaucoup plus loin, car loin d'être un simple jeu d'horreur, Silent Hill 2 est avant tout une terrible histoire d'amour. Un jeu pensé et conçu dans le moindre détail pour secouer votre esprit et remuer votre cœur. I'm here for you, James. See? I'm real. C'est toute la force du savoir-faire de ces alchimistes de l'émotion. Repoussant tout en étant attirant, c'est ainsi que l'on pourrait définir les décors de Silent Hill 2. Leur aspect malsain nous dégoûte, mais étrangement, on peut s'empêcher de leur trouver du charme. Et c'est d'ailleurs exactement ce que voulait le directeur artistique. Pour mettre en image ces décors bien glauques, Masashi est allé prendre quelques photos de repérage. Certaines juste pour trouver des idées de texture comme celle-ci. Quant à ces images, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ce sont les plus importantes. Et oui, les toilettes sont en effet la toute première pièce que le directeur artistique a modélisée. C'est la première mise en image de l'univers de Silent Hill 2. En quelque sorte, la bible graphique à partir de laquelle tous les autres décors ont été créés. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas pour rien que l'on nous fait débuter le jeu à l'intérieur. Mary, could you really be in this town? En revanche, les décors extérieurs que l'on reconnaît assez bien sur ces photos suivent une autre logique. L'objectif était de donner à la ville des dimensions plus grandes qu'on les imagine. D'ailleurs, certains passages vous ont peut-être donné l'impression de ne plus en finir, et bien cela n'a pas été fait au hasard. まず最初のその展望台から森までは一度その街について引き返せないような距離を出すことによってその孤独感とか不安感とかその隔離された街に来てしまったっていう感じとかっていうのを出したかったんで、ゲーム的には
かなり危険で挑戦してみた部分ではあるんですけど、わざとあれだけの距離を。Un autre pari risqué, celui d'imposer un filtre granuleux pour donner du cachet aux images. On les remercie d'avoir osé. Regardez à quoi aurait ressemblé Silent Hill 2 sans cet ingénieux procédé. Toujours dans l'idée de nous surprendre, les graphistes se sont amusés à disperser quelques éléments troublants dans le jeu sans que l'on puisse s'en rendre compte du premier coup d'œil. Par exemple, le cadavre devant la télé dont on ne voit pas le visage. Eh bien, quelque part, vous connaissez cet homme. James, là, c'est là. Ce corps, en fait, James a créé. James. Donc, on ne peut pas le montrer. Une autre image issue du cerveau de James et de l'imagination des graphistes, la robe sur le mannequin à la lampe. Vous la reconnaissez? Eh bien, c'est celle de Mary, votre femme. Bref, autant de détails mystérieux qui forment un décor idéal pour la mise en scène de personnages tout aussi travaillés et ambigus. Bien sûr, James est le héros de Silent Hill 2, mais au fond, le premier rôle est tenu par quelqu'un d'autre. Mary ? Maria est une femme fascinante qui incarne à elle seule toute l'ambiguïté de Silent Hill 2. I don't look like a ghost, do I? Disturbing and sometimes looks cute. Mm-hmm. And there's no specific motto of her. Une ambivalence troublante qui réussit à faire de Maria un personnage émouvant. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. En tout cas, bien plus, par exemple, que l'héroïne du film Final Fantasy, comme nous l'explique Sato. But the main girl character doesn't have a wrinkle and doesn't have a kind of a bad point. She is kind of perfect. For example, you know, if you are attracted by some woman, you know, she's not perfect. You know, if you take her pictures, you know, sometimes her face is like that. You know, it's not perfect, but you know, if always she's perfect, I guess you won't love her. You are in love with her because she's human. She has character. You know, that character has bad point. Of course, bad point and good point. They didn't make that, but it's more real than the Silent Hill second. You know, from visual or technique point of view. But you know, I think I made more realistic work. Do I look like your girlfriend? Ainsi, le réalisme de Maria vient aussi de ses petits défauts qu'elle assume. Comme son petit bourrelet sur le ventre qu'elle découvre sans complexe. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. Ou encore ses taches brunes sur la peau qu'elle ne cache pas. Mais il y a aussi ses parties du corps sur lesquelles, comme une femme, elle triche. I think she is a brunette. She's not blonde. She died, red, and she died, she breached. Remarquez aussi son maquillage assez prononcé. Bref, autant de détails qui contribuent à la rendre très femme, mais par la même attirante. D'ailleurs, pour l'anecdote, au départ, Sato avait dessiné Maria avec ce décolleté plongeant. Mais le rendu graphique n'était pas satisfaisant et Maria a dû se rhabiller. Mais un tel corps ne serait rien sans un visage expressif. Sato a donc passionnément travaillé cette partie, quitte à s'investir physiquement. I try to act sexy in front of a mirror and just open half the eyes and move the under lip sexier like that, in the office.
I was perfect. Et oui, pour obtenir un résultat plus fin dans l'animation des visages, Sato n'a pas utilisé la motion capture. I couldn't trust the, you know, face motion capture. That motion capture system took just the, you know, position of the skin. If you open the mouth, you know, muscles in around here is tightened. But a motion capture cannot capture it. Mm-hmm. But you know, if I make them in front of a mirror, I can notice it. I can capture it. You know, that's most of you know, most biggest reason. En animant à la main, il est alors possible de combiner des dizaines d'expressions pour obtenir exactement celles que l'on veut, même les plus saugrenues. En revanche, les mouvements du corps, eux, ont été réalisés sous motion capture, pour les séquences cinématiques et pour les scènes en temps réel. Et autant dire que ces mouvements ont été très étudiés, ou plutôt très bien observés. L'actrice incarnant Maria a su trouver les poses qui allaient semer le trouble dans l'esprit de tout joueur masculin. Les animateurs n'ont pratiquement rien eu à retoucher pour la transcription graphique. Pour parfaire le tout, il ne reste plus qu'à trouver la voix qui va donner vie à ce visage. 50 à 60 personnes venant du Japon et des États-Unis ont donc passé l'audition, et au total, 5 personnes ont été retenues. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui réalisent la motion capture. What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Killing a person ain't no big deal. Mais vous allez me dire, 5 personnes, c'est étrange puisqu'il y a 6 personnages. Eh bien, tout simplement parce que la personne qui joue Maria est la même qui incarne Mary. D'ailleurs, pour compléter cette anecdote, absolument pas innocente, sachez que Mary et Maria ont un autre gros point commun. Same polygon structure. Polygon structure of a face. Exactly same. You know, a little bit skull shape is different. And Maria can make Mary's face. Mary can make Maria's face. But the gimmick of the face, like a skeleton and you know, muscle structure, is a little bit different. Angela, elle, en revanche, est très bizarre. Dans le jeu, elle est censée avoir 16-17 ans, et pourtant son apparence est en contradiction totale avec cette idée. It's not, you know, usual teenagers. One has a something, I think. And I try to, you know, I try to make her face special, has something inside. Then, you know, that's why I made, you know, these lines, you know, these shadows. You know, she has a kind of a Schwarzenegger mouth, and try to make her face emotion, face animation, a little bit uncomfortable. Lost? That makes her look more older. Le but étant donc de vieillir Angela, l'équipe a aussi choisi une voix plus âgée. Ainsi, l'actrice jouant Angela a environ 40 ans. Enfin, Eddie, excuse-moi, lui a une origine assez rigolote. Qui, pour info, n'est pas au courant de la bonne blague de son copain Imamura. Heureusement qu'il ne s'agit que du modèle physique, car Eddie est peut-être le plus dérangé de tous. Et son air pato est encore le fruit d'une série de détails subtils.
You killed him? His pupil? A little bit wider. Opened a little bit wider from another character's. His eye direction is another direction. Mm-hmm. And, his eyes move a little fast compared to another character's. Yeah, I did that on purpose. Why not? Till now, I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie? Tous les personnages de Silent Hill 2 ont donc une personnalité ambivalente, mais qui ne sera jamais aussi ambiguë que les monstres qu'ils croisent. Vous l'avez remarqué, les créatures de Silent Hill 2 ne correspondent pas aux critères habituels des jeux d'horreur. Elles n'ont pas de cornes, pas de tentacules et pas de pouvoir surnaturel. Leur monstruosité vient plutôt de l'humain déformé que l'on perçoit sous chacun de leurs traits. モンスターを、まず最初にテーマとしたことが人間のパーツをモンスターの動画に必ずこう取り入れて、そこからプレイヤーがその元は人なんだっていうところをこう想像させた上で、そこでそのモンスターが人間とはちょっと違う、こう、例えば体が折れすぎてしまうとか、その、這いつくばって早くこう移動するとであるとか、そういうギャップにしたんで、例えばこう酔っ払ってる人とかはこう、普段とちょっと違う動きとかしますよね。でそういう意味では、その、それに類する、例えばこう、なんかちっちゃい子がこう、頭が大きいから、バランス崩して歩くとか、そういったのを主に参考に。Mais parfois l'inspiration provient de sources bien plus inattendues。あれ実際に腕が入ってるんですけど、その上からそのラバーのようなものでこう包まれて、腕がこの自由に効かないっていうのを表現したんですけど、あれは最初にあれを思いついた時はですね、知り合いのプログラマーの人がこう当時僕の席にこう遊びに来てたんですけど、日本のジャージでこうポッケにこう手を入れるジャージがあるじゃないですか、こうホッカムリがついてる。そこになんか手入れてこうこんなことしながら、ちょっとすみません、ノリノリな気分でこう来たわけですよ。で、その動きを見てなんかそこからヒントを得て、Bien sûr, les références ne sont pas seulement anecdotiques, et Ito a aussi tiré son inspiration de son artiste préféré, le peintre anglais Francis Bacon. On reconnaît aisément sur ces images l'univers tourmenté de Silent Hill. Mais la création la plus pertinente et la plus originale est sans aucun doute celle du monstre à tête de triangle. Contrairement à ce que son aisance peut laisser penser, Ito n'a pas créé ce monstre du premier coup. Au départ, il voulait en effet un personnage sans visage, pour que l'on ne puisse pas être rassuré par son humanité. Il a donc fait ce dessin. Et puis il a trouvé que ce n'était finalement qu'un humain avec un masque. Il a donc poussé le concept plus loin et a eu l'idée de la tête en forme de triangle pour donner du sens à son monstre.この三角形のその痛々しい感じであるとかがそのまさにその裏設定を説明する上で適当な形だったっていう。Les monstres créés, il ne restait plus alors qu'à leur attribuer quelques bruitages tout aussi bizarres et dérangeants.À poser quelques musiques bien choisies et l'effet serait alors réussi,
un travail confié au producteur sonore Akira.僕が自分でサウンドクリエイトする時って特にその映画を見たり何かのサウンドを聞いてインスピレーションっていうのは僕はあまりそういうのはないんですね。自分で作りたいと思ってサウンドまあギター持って例えばまあこう弾いて自分で納得するまで時間をかけて作るっていうことですかね。あまあそうですね、まあきっかけっていうのは特になくて、まあテーマソングに関して言えば3日間ぐらいずっと家にこもってずっとこう弾いていたっていうのはあります。Un thème fort qui porte toute la mélancolie de Silent Hill 2 et qui a d'ailleurs été composé à l'image des autres créations du jeu sur un décalage. 毎回毎回違うよ。普通のゲームっていうのは、普通のゲーム、まあそのゲーム。あのメロディーってサウンドの中でのメロディーっていうものは、あの僕特にその重要視っていうのは、まあある程度は重要なんですけど、その特に重要視っていうのはしてなくて、例えばかあの悲しいメロディーに。あの強いリズム、まあ、今回のテーマソングだと悲しいメロディーに強いリズムっていうのを僕はすごくそれを今回はテーマに自分で作ってたんですけど、まあ、その聞いた人が悲しくなったり、まあ、楽しくなったりっていうのはというよりもなんかその子のサウンドを聞いてその人のメンタル的なところが何かが揺れたりとかっていう何かがこう動くっていうことは僕はあのそれは求めてちょっと。Mais Akira est aussi le créateur de tous les bruitages du jeu. Au total, 50 sons ont été créés pour Silent Hill 2. Sans compter les nuances, comme ces centaines de bruits de pas, pour éviter l'effet de répétition. En tout cas, des sons conçus pour trancher avec les canons habituels du survival horror. Bio, 僕が思うにはそのやっぱりよりあの新しいサウンドとかあのまあそれ新しいサウンドがいいっていうわけではないんですけどやっぱりある論理的なフォーマットに乗った例えばクラシカルな編成とかそういう論理的なフォーマットに乗っかったサウンドだと思うんですね。僕はもうそういうのはつまらないと思ってる方なんで常に新しくてあの斬新で何が一番その聞き手がとって何が一番こうなんていうんですかねあの聞いていて耳から入ってきた聴覚から入ってきたものがどういうふうに刺激になるのかっていうより刺激的なものっていうのを求めてるんで、まあ、彼のサウンドは別にそれはそれでいいと思うんですけどその論理的なフォーマットとノットサウンドと、まあ、クリエイトした新しくもうクリエイトしたサウンドの、まあ、そこが僕は一番違うと思ってます。Et parfois le meilleur son est juste le silence. やっぱりまあ、なんですかね、無音、サウンドが聞こえてること自体が、サウンドが鳴ってるってことが、演出、だけじゃなくてサウンドが鳴っていないっていう、まあ、その前後例えば前がガーッと鳴っててポンと音が抜けてガッと鳴り出すとかその鳴っていないっていうこともその一つのサウンドの演出サウンドの仕事だったりと僕は思います。L'ambiance sonore de Silent Hill 2, tout comme les graphismes ou l'animation, réussissent donc à créer un univers oppressant, mystérieux et complètement original. Cela dit, toutes ces prouesses techniques ne doivent pas faire oublier l'essentiel de ce qui fait le génie de Silent Hill 2, la peur. L'une des grandes forces de Silent Hill, c'est d'avoir inventé une nouvelle forme de peur. Le
ゾクゾクするというか、うん、不安で不安でしょうがない、わからないと、自分の周りにちょっと先に 何者かいるかもしれない、 そこにいるモンスターがそれでどんなやつなのかもわからない、とにかくわからないことっていうのが怖いことだと思いますね。Mais les créateurs sont allés bien plus loin dans leur analyse. Cette terreur psychologique propre à Silent Hill 2 est le fruit d'une réflexion très poussée sur les émotions humaines. Psychological horror has to shake human's heart, you know, deeply. You know, shaking people's heart deeply means you know, uncover people's core emotion and their core motivation for life. Everybody is thinking and concerning about, you know, sex and death every day. And if we want to scare or shake or touch the users or spectators, then we have to think about, you know, sex and death deeply. To make like a death scene, you know, somebody died or monsters died, or, you know, if we made that kind of scene, we try to mix erotic essence. This is kind of a visual and, you know, core concept. Ainsi les infirmières mortes en mini-jupe et en décolleté osé. Ainsi ces jambes sans corps au galbe fin et en tenue légère. Ou encore cette scène juste suggestive. Sans oublier le drame d'Angela. Et enfin, l'éternelle ambiguïté de Maria, glaciale comme la mort, et soudain sensuelle. So, you're Maria. I am. If you want me to be. D'ailleurs, pour conclure ce making-of, je vous propose de nous quitter sur l'analyse de cette superbe scène. James, honey, did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? ここに関しては結構僕自身も個人的に思い入れのあるシーンで、あのシナリオの段階からシナリオのミーティングから結構僕もここはいろいろアイデアを出してたシーンで、あの、まあ、マリア、見た目はマリアなんですけど、なんかちょっと不思議な、ちょっとメアリーっぽい会話をするシーンですよね。それでその辺の、まあ、ユーザーが多分混乱すると思うんですけど、そのマリアなんだけどメアリーなんじゃないかっていう、その不思議さっていうのをすごく出したかったシーンですね。マリア？ You said you took everything, but you forgot that videotape we made. そうですね、メアリー、うん、初めはメアリーっぽい時はまあ、今までは割とマリアはセクシーな態度をとってたわけじゃないですか。でも、うん、セクシーさのないようなポーズを心がけました。I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria?
C'est alors qu'arrive la scène clé, celle où en un seul plan, Maria, qui jouait à être Marie, redevient Maria. I'm not your Mary. Remarquez alors ses gestes soudainement plus sensuels et le son de sa voix. I am, if you want me to be. Jamais l'horreur n'aura été aussi poétique, jamais l'ambiguïté de nos émotions n'aura été autant sollicitée. Les créateurs de Silent Hill sont des artistes et leur jeu, une œuvre d'art, aussi vrai que vous sentez cette main se poser sur votre visage. I'm real. Bonne seconde partie.